Hello, hello, m'espérez ou même que vous avez des vidéos ça en forme et m'a dit bienvenue sur channel là. Est-ce que nous jamais imaginé dans qui point l'amour un fanatique arrivé pour un artiste? Est-ce que nous jamais imaginé dans qui extrême l'amour un fanatique arrivé pour un artiste? Assez souvent nous connaissons juste ouais, il suffit pour nous comparer deux artistes qui dans même domaine pour nous ouais niveau méchanceté fanatique yo yon envers l'autre. Mais parfois l'amour tellement trop que ça tournait contre artiste yo, que fanatique yo pensait que artiste c'est bien privé, que bref ça tournait en obsession jusqu'à ce que c'est artiste là même qui victime. So on avait R4 jeudi à nous voir 10 artistes qui mourit parce que l'amour fanatique là t'es trop pour yo, tout simplement fanatique là tout y est yo. So si vous pensez cette vidéo ça a intéressé ou rebranché. Premier artiste là c'est Selena. Nous tous pensons au moins, même si nous pas connaissons Selena bien, au moins nous entendons la musique li, au moins nous lever ensemble avec la musique li. Bref, au moins une fois dans la vie nous entendons parler de Selena. Selena c'est une chanteuse mexicaine qui fait aux États-Unis, so, elle est américaine d'origine mexicaine. Bref, elle était très 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 connue parce qu'elle était une voix superbe, c'était une belle femme. Tout le monde c'est Selena Quintanilla Perez, mais tout le monde connaît Selena. Je me dis que c'était une idole dans la communauté latinoise. Mais en 1995, Libral mourit par balle et c'est directrice fan club Lian qui touille. Directrice fan club Lian, c'est lui-même tout qui t'a géré toute boutique Lio. So, il était plusieurs boutiques, il était qu'on créer tout, so, il était qu'on faire rad by ça. Et c'est dame ça qui était qu'on a géré ni fan club là, ni boutique yo. Et puis Selena vient découvrir que il était qu'on volait comme un battable, ça les il était qu'on faire des tournements de fond. Donc Selena décide de rencontrer ensemble avec elle pour le connaître de quoi il en est. Et puis vraiment vrai, n'a posé la question, il vient découvrir que il était comme voler comme vrai. Sans bris sans compte, Selena a décidé de révoquer. Et puis il pas fait ni un ni deux, il juste là les amener, il criblé Selena à balle. Donc Selena a mouri et puis lui-même il prend prison à vie. Jusqu'à présent, il est en prison et il a demandé libération conditionnelle jusqu'en 2025. Deuxième nom c'est John Lennon. John Lennon était un chanteur britannique qui était dans un groupe qui était The Beatles. Il mourit en 1980 devant la Kylie. Et c'est un fanatique qui était Mark Chapman David qui criblait lui à balle devant Madame Ne. John Lennon fait partie de Club 27. Là, ça veut dire artiste qui mourit à 27 ans. Il y a un paquet d'artistes qui mourit à 27 ans. So, je pense que je vais faire un VR4 spécialement sur Club 27. Bref, donc Mark Chapman David prend prison à vie et jusqu'à présent, il est en prison malgré lui fait 11 demandes de libération conditionnelle, il n'a pas accepté. Donc jusqu'à présent, il est en prison. Troisième nom c'est Rebecca Schaefer. Moi, je pas vraiment connais Rebecca Schaefer, c'est pendant ma fait vidéo à découvrir, dans faire recherche. Bref, Rebecca Schaefer, c'était une actrice qui était 21 ans à l'époque, elle était morte le 18 juillet 1989. Et c'est un fanatique qui relait Robert John Bordeaux qui touille. Et monsieur était 19 ans à l'époque. Mais monsieur était qu'on a harcelé déjà, ça veut dire frapper pour la Kylie. Bref, il était qu'on a harcelé, il était reconnaître lui déjà. John était vraiment obsédé par Rebecca. Et puis après, il finit dans un film côté Rebecca tenait en scène l'amour, donc scène sexe, nous comprenons, ensemble avec un autre acteur. Ça vient porter dans la tête et puis il débarquait avec Rebecca, comme s'il allait faire Rebecca. Explication tant que c'était Madame Ne. Bref, tellement les remets artistes là. Et puis Rebecca ouvert pour lui parce que était juste passé c'est un livreur. Donc il ouvert pour la police, elle ouvert pour la police, il rentré et puis il commence à faire scandale ensemble avec Rebecca. Donc Rebecca mettait le dehors normalement, dit le sorti, bah ça y est, parce qu'il va comprendre comment un fanatique fait à l'aise pour rentrer la caille. La caille vient faire l'explication pour une scène sexe ou un non film. Donc ok, Liz Dahol y allait et puis il y allait, il descend, il mangeait. Après une heure, il tournait, a examiné, il criblait Rebecca avec balle. Donc Rebecca mourit sur le coup. Et puis, donc actuellement, il est en prison à vie et pas gain aucun moyen pour lui sauter. Quatrième nom, c'est Christina Grimmie. Christina Grimmie, en fait, son monde te suivre parce que l'amour a pas fait longtemps, c'est toi avril là en 2016 que les mourir. Son monde te remet en pile. Bref, Christina Grimmie, c'était un YouTuber, un gros YouTuber. Qui te vin participer dans The Voice. So, li te vin gagner The Voice. Et puis, li te vin... En fait, carrière te lancé tout d'un coup. Donc, li te vin très connu. Tout le monde te connaît. Li te... Bon, bref, je me dis, hein. Carrière te lancé. Et puis,
li t'a fait chemin. Donc ça t'est venu faire en Jean proche l'autre en pile l'autre artiste tant que Miley tant que Selena il était quand même fait première partie concert Monsaio. Et puis c'est pendant les fin fait un concert comme ça en Orlando en Florida et puis il décidé comme si you know chill ensemble avec fanatique yo si un bail autographe tout bail ça yo et puis il décidé avancer côté fanatique yo t'y a pour fonti pour passer un petit temps ensemble avec yo et puis dans foule là t'es gagné un fanatique qui était vraiment très 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 obsédé par Christina qui est le Kevin James label et puis là Christina arrivé devant fanatique yo lui même il jouait coin il arrivé devant Christina et puis il regarde les amener les cribler Christina bal. Et puis après ça, il tourne balle là sous lui, il touille tête. Donc c'est comme ça le 10 juin 2016 que Christina Grimmy mourit alors que carrière était fink a commencé. Donc on passe un café en VR4 sur Christina. Pourquoi on va connait m'a passé sur ça. Bref, c'est une histoire que nous méritons connait donc m'a regarder comment café en VR4 sur Christina Grimmy. Pour compte lui. So nous parti pour 5e monde là. C'est Dimebag Darrell Abbott, j'espère me dit dans le bien pas coché non. Bref, Dimebag c'était un guitariste metal qui t'a créé un groupe qui relait Pantera. Et puis après un petit temps, groupe la vin craser, li vin aller dans un groupe qui relait Damage Plan. Et c'est pendant la jouer sous scène comme ça avec groupe là qui relait Damage Plan que gen un fanatique dans foule là qui ra les amener qui tirer sous scène pendant la jouer. Juste parce que li pas digéré le fait que Pantera crasé. Ça les dit premier groupe Dimebag qui créé, il a pas digéré que le crasé. Donc, il a les amener, il touyer artiste là. C'est comme si m'ta dit non, pas digérer le fait que Karimi, désolé pour comparaison, même vraiment pas comprendre comment monde fait arriver dans extrême ça. C'est comme si m'ta dit non, m'pas digérer le fait que Karimi crasé et puis m'tande kou Kay a joué ou du moins m'tande kou Michael Guerin a joué sous scène et puis m'retire la vie. Bref, c'est comme ça Dimebag lui-même, il est mort. Et puis il y a 3 autres monde qui mort dans fusillade là et puis il y a 7 autres qui blessé. Bref, la police a tiré dans le même côté là, donc il est mort tout dans même fusillade là. Bref, voilà, c'est tout ça que j'ai pour nous dans cette vidéo aujourd'hui. Si nous connaissons l'autre cas côté fanatique ou touyer artiste, pas hésiter, dis-moi ça dans commentaire et dis-moi tout qui ça nous penser de tout l'amour ça un fanatique capoté pour un artiste. Moi même toujours a dit pas groupé. Vraiment pas groupé pas c'est pas que en fait pas ouais moi-même qui va remettre un artiste à ce point carrément zéro carrément sofem carrément tant que moi même Beyoncé tout le monde connaît ça et c'est seulement d'accord mon dit me groupé ça vraiment pas un problème avec mais après ça n'importe mon était à n'importe l'autre artiste qui était vraiment pas même mettre dans situation pour tout le monde me groupé. Bref, on pas remettre sur ça voir pour m'arriver non extrême comme ça. Donc pas hésiter dire nous même qui ça nous pensait de toute histoire ça yo. Est-ce que nous comprendre moi même m'ta même mon expliquer parce que moi vraiment pas comprendre comment un monde fait remer un artiste comme ça. M'ka comprendre nous remer madame ou comme ça ou ka remer mari ou comme ça ka remer petit ou maman ou papa ou monde dans famille ou comme ça. Mais un artiste bref, moi vraiment pas comprendre ça. Donc nous même pas hésiter dire qui ça nous pensait dans commentaire. Donc m'attend commentaire yo et sur ce m'a dit non bye bye à la prochaine pour une autre VR4.